Nous sommes lundi 18 mars 2024 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, messieurs, bonjour. Et surtout, merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV au canal 317. C'est reparti pour un petit tour. Toute une semaine en information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Tout à l'heure, on fera comme d'habitude un tour du côté des kiosques avec Patrick Bala. Bernardo Basson n'est pas là ce matin, mais Pierre Bleruyamec le remplacera valablement pour ce qui est de la dénonciation. On terminera par l'instant de l'analyse. L'analyse de ce matin nous amène à parler de manière un peu plus profonde de ce qu'on baptise le peuple. Une interrogation, quelles peuvent être les caractéristiques d'un bon peuple? Pour vous, quels sont les indicateurs pour pouvoir dire que nous avons affaire ici à un bon peuple ou alors à un mauvais peuple? On en parle avec un peu plus d'efficacité. Mais justement, pour en parler, ils seront comme d'habitude journalistes, ils seront observateurs avertis de la scène politique, ils seront même politologues, ils seront consultants avec un seul objectif, la main sur le cœur. Vous dire la vérité, rien que la vérité, mais alors toute la vérité, on ne le dira jamais assez, votre fidélité continuera à nous honorer en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On commence justement par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Guy Albert Bomba, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à toute la communauté, je vais dire de la CSU. Parfait, parce que la couverture santé universelle. Il faut le rappeler ainsi que le chef d'État a presque enrôlé déjà plus de 3 millions de Camerounais aujourd'hui dans ce processus-là, qui va même à l'endroit même de l'émergence à l'horizon 2035, tant prôné par lui-même. Quand je dis cela, je vais aussi dire bonjour, saluer le commissaire spécial, M. Attanda de Mbalmayo, hein, qui a bas un travail titanesque de ce côté-là, dans l'Union ESO. Et puis je vais saluer l'inspecteur de police, M. Ekouti, du côté de Onfou. Vous saluez les gens de Mbalmayo, mais également les gens d'Onfou. Ce sont des villes que je connais très bien. Et les populations de ce côté sont accueillantes, que ce soit à Mbalmayo ou alors du côté d'Onfou. Et puisque vous parlez de Mbalmayo, on va également dire bonjour à Monsieur le maire. À Monsieur le maire. Le maire de la commune de Mbalmayo. L'un des maires les plus charismatiques du Cameroun, parce que il faut le rappeler, quand on parle de Mbalmayo, on voit directement ce visage-là, M. Zamba Obele, qui ne lessive pas, qui transforme Mbalmayo peu à peu. Paris ne se construit pas en un jour, mais si vous faites la rétro de Mbalmayo, il y a de cela 5-10 ans, je crois que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mbalmayo, c'est vrai que c'est une ville carrefour, mais c'est l'une des villes les plus accueillantes dans la région du centre. J'espère que Mbalmayo n'est plus la ville cruelle. Non, c'était un best-seller, c'était un livre, mais Mbalmayo est la belle, elle est la belle aujourd'hui. Mbalmayo la belle. Donc bien des choses à toutes les populations du côté de Mbalmayo. Et quand on parle de Mbalmayo, on peut aussi parler des zones environnantes. Hein. En Mbalmayo, vous avez donc Mengeme. Mengeme. Pas très loin de Mbalmayo. Pas très loin de Mbalmayo. Mengeme aujourd'hui qui a... aujourd'hui, on va avoir quelque chose qu'on appelle une université concernant la santé, parce que les constructions sont en train de débuter. Mais malgré que la zone est toujours enclavée, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de pont, nous manquons de beaucoup de choses aussi, et surtout plus l'électricité, qui même à Yaoundé, qui est une denrée rare, mais chez nous, c'est plus rare qu'à Yaoundé. Parlons encore d'une autre zone environnante, vous avez Akouéman. Akouéman aussi qui conçoit les mêmes problèmes, difficultés en route, difficultés en énergie électrique. Je crois que les points d'eau sont même là-bas. Si, je ne sais pas si l'exécutif de ce côté-là a même eu affaire juste un point d'eau. C'est très compliqué. Disons quand même bonjour à monsieur le maire d'Akouéman. Ah oui. Monsieur le maire d'Akouéman, monsieur le sous-préfet d'Akouéman. Et pourquoi ne pas dire bonjour à madame le proviseur du lycée d'Akouéman. Elle est nouvellement nommée du côté d'Akouéman. Le docteur Foipon Zenabou. Zenabou. Qui était une dame qui travaille avec beaucoup d'engouement, elle travaille avec beaucoup d'amour. Elle aime son métier. Hein. Elle aime son métier. Vous savez, on a toujours dit l'enseignement, c'est la chose des femmes. Mais elle se démarque du lot. C'est-à-dire que la craie,
je crois que elle ne tient pas bien son rôle de patron d'établissement, mais elle conçoit dans sa tête, j'ai la craie. Je suis vous la connaissez un peu. Bon, j'essaie. j'essaie de décrire la personne parfaite. Donc, bonjour à Madame le proviseur d'Akoéman, Madame Zinabo Ofoapon. Merci d'être là. Je souligne que Guy Albert Bomba est journaliste et directeur de publication de Communes Actuelles. À côté de Guy Albert, on accueille également un autre invité, Adrien Bacon. Bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Parfait ici. Bonjour, un bonjour particulier à tous nos panélistes aussi. Et un bonjour fort à toute la communauté camerounaise. Je dois dire que vous êtes un jeune Camerounais qui vient d'arrêter du côté de l'université de Yaoundé 2, soit vous êtes donc observateur averti de la scène sociopolitique au Cameroun. C'est effectif. Quand on parle de politique, il faudrait qu'on parle en profondeur. C'est vrai qu'on vient de débuter l'émission, mais la politique est une preuve qu'il nous manque quelque chose sur la terre et qu'elle existe justement pour combler ce manque, ce vide des populations en fait. Donc, dans cette dynamique, il faudrait vraiment une amélioration sociopolitique dans ce pays et en tant qu'observateur politique, on observe de nombreux désaccordus, en fait. D'accord. Merci d'être là en face de vous. On accueille notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, Pierre Blériou Niamek. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être associé à la réflexion de ce matin. J'ai reçu des amis récemment à la maison et l'un d'entre eux me demandait d'où je tire mes citations du jour. Et je lui répondais de tout. Je suis venu avec une citation, mais à entendre parler le DP qui est par ailleurs membre du RDPC, j'ai forgé tout de suite une autre citation. Vous l'avez changé. J'ai changé. Celle qui était prévue sera dite demain. Celle de ce matin, la voici. Les courtisans disent la même chose que les pourfendeurs. Les premiers la disent seulement en s'amusant. On peut reprendre. Les courtisans disent la même chose que les pourfendeurs. Les premiers la disent seulement en s'amusant. Ça veut dire quoi? Vous avez suivi, chaque fois que vous évoquez une ville à côté de Mbalmayo, il égrenait le chapelet de difficultés. Sauf qu'il le dit avec un sourire et ça semble être des bonnes choses qu'il dit, il n'y a pas d'eau. Si c'était un pourfendeur qui le disait, il allait le dire avec beaucoup plus de véhémence. Donc, il faut que les gens comprennent que quand, par exemple, vous n'avez pas d'eau dans une ville, il n'y a pas d'eau pour les gens du RDPC. C'est-à-dire que, moi, je comprends. Il n'y a pas de l'eau pour tout le monde. Oui. Donc, en fait, nous subissons le même martyre. Seulement, les gens du RDPC le disent en s'amusant. Eux, ils s'amusent quand ils disent ça. Merci Pierre Blériou. Est encore attendu sur ce plateau de la bonne humeur et de l'information en toute convivialité. Le docteur Ariel Meunier, il est jeune politologue. A tout de suite pour la suite. We'll be right back.
Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je suis heureux de retrouver ce matin. Vous savez, nous sommes lundi et généralement le lundi, on essaye de se mettre en adéquation avec ce programme, en adéquation également avec nos téléspectateurs. Vous savez Patrick, j'ai un problème, c'est que j'oublie rarement. Vendredi, vous nous avez dit, vous savez ce que je veux dire, vendredi, vous nous avez annoncé une grande pompe. Parfait, vous allez faire un tour à Criby. Parfait, je préfère qu'on ne revienne pas dessus. Apparemment, ça a mal tourné. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, les choses passées sont passées, on peut faire Toutes sont devenues nouvelles. Oui, là nous sommes lundi et on attaque la semaine avec vigueur. Est-ce que vous étiez à Criby? Vous étiez à Criby, oui ou non? Mais je pense que ce n'est pas vous le modérateur. Non, c'est juste pour ça. Parce que moi, général, voilà. Tu n'as pas vu? Moi, j'étais à Criby. Non, en même temps, on n'est pas forcé d'être dans les mêmes endroits. Moi, j'étais mais j'avoue que finalement le déplacement n'a plus eu lieu. Ah, voilà. Oh, le Moi j'étais à Criby, évidemment, j'étais logé à Brigitte House. Ah d'accord. Voilà, donc non, Lolo, sa copine n'a pas zappé. Non, je n'étais pas avec ma copine, c'est avec l'une de mes épouses. Vous étiez avec un copain? L'une de ses épouses. Voilà. Non. Moi, en fait... On ne zappe pas. Non. Et pour vous rassurer, je n'ai pas été zappé. J'ai juste reporté à plus tard parce que j'avais des affaires. C'est pas très loin, hein. Bon, quand tu iras, tu me feras signe. Si tu as quelques soucis, on va t'aider. Bon séjour à Green. Je ne manquerai d'ailleurs pas. Patrick Bala, c'est l'homme de la revue La Presse sur Espace Miné. Il est là, tout requinqué, très bien habillé ce matin. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce jour vont nous conduire du côté d'Info Matin. C'est le journal de Dieudonné Mvun, président directeur général, bien sûr, de cette très belle chaîne de télévision Info TV et du groupe La Météo. Info Matin, le quotidien parle du Parlement avec l'immunité du député Jean-Michel Nietzsche bientôt levé. Et bien, selon le journal, Jean-Michel Nietzsche, par ailleurs promoteur de l'Alliance politique pour le changement, APC, déclaré illégal par les pouvoirs publics, est donc dans le collimateur du pouvoir en raison bien sûr de ses accointances avec le président autoproclamé de l'État imaginaire d'Ambazoni Ayouk Tabe. Information contenue à la page 3 de ce journal. Le journal revient également sur les Jeux africains du côté d'Accra au Ghana et les premières médailles en or pour le Cameroun, notamment en haltérophilie avec Junior Peridex Ngadja qui remporte 2 médailles en or de ce côté. On parle du journal La Nouvelle ce matin. La Nouvelle revient également sur cette affaire Jean-Michel Nietzsche. Nietzsche Ayouk Tabe vers la levée de l'immunité parlementaire de ce dernier. C'est une information à retrouver en page 2 de ce journal. Parlons de notre quotidien Info Matin hors série numéro 25 pour être plus précis avec Bayangam. Le docteur Madeleine Chouenté inaugure l'antenne IRAD. Ceci s'est passé récemment. Elle a d'ailleurs, c'est une information donc à retrouver dans ce journal. Présidée donc par le Minrezi, la solennité fort courue dans la localité de Yenom, département du Konki, le 15 mars dernier a connu les présences du gouverneur de l'Ouest PCA et directeur général de l'IRAD, représentant résident de l'État au Cameroun et du chef supérieur de la communauté. C'est une information en détail à retrouver de la page 2 à la page 3 du journal Info Matin hors série. C'est le numéro 25. On parle à présent du Tri-Hebdo La Météo, le journal d'information, d'enquête, d'analyse et surtout de reportage revient bien sûr sur le prix du cacao avec la Côte d'Ivoire qui est séduite par le Cameroun. Vous le savez, le kilogramme de cacao est vendu du côté de la Côte d'Ivoire à 1000 francs CFA. C'est donc le pays d'Alassane Dramane Ouattara, premier producteur du monde. Eh bien, cette fève s'arrache déjà au Cameroun.
Cameroun. Le prix est désormais à 4500 francs, voire 5000 francs, un record historique qui rend bien sûr d'autres pays envieux par cette production au Cameroun, notamment du côté de la Côte d'Ivoire, qui n'arrête plus d'alimenter bien sûr la polémique dans les médias et sur les réseaux sociaux concernant le prix qui est un record grimpant dans notre pays, le Cameroun. De l'avis donc des économistes et autres observateurs, le miracle est rendu possible grâce aux réformes du chef de l'État Paul Biya, savamment mises en œuvre par le gouvernement via le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana. Information contenue dans le journal La Météo, notamment à la page dans la page 3 de ce journal. Le soir, le tri-hebdo de Armand Bianda revient également sur ce cacao camerounais qui est sur le toit du monde. Les recettes à succès de Mbarga Tangana, c'est à lire dans ce journal. Le journal revient donc sur cette touche du ministre du Commerce qui est basée sur la mise sur pied des ingrédients incitatifs pour mieux produire l'or brun. C'est donc une innovation donc à saluer pour les télévisions à l'étranger, notamment la télévision ivoirienne, tant la presse réalisée du côté d'Abomba dans la région de l'Est Cameroun le 5 mars dernier au cours des opérations de vente groupée de fèves de cacao ayant donc permis à l'or brun d'atteindre la barre de 4225 francs CFA le kilogramme. On parle des presses du cacao camerounais avec le journal Le Témoin qui revient sur le travail du ministre du Commerce qui séduit d'ores et déjà du côté de l'international. Le cacao camerounais séduit partout ailleurs avec le messager de Fopius Njaoué. On parle donc des saisons, des moissons avec ce prix de kilogramme qui a atteint donc la barre de 4225 francs CFA. Le pays bat un nouveau record attribué à la qualité de la fève locale et bien sûr la performance du marché camerounais. Information contenue à la page 4 de ce journal. Quittons le cacao pour parler du Parlement avec Mutation de Georges Alain Boyomo ce matin qui revient sur l'absence du président du Sénat qui semble être à l'origine des deux semaines d'inactivité des sénateurs et des députés. On parle également de l'agenda crucial de cette session parlementaire qui devrait être déroulée dès cette semaine. Le supplice Niat, c'est donc la grande une du journal Mutation ce matin. Information contenue à la page 7. Avec la nouvelle expression, on parle de l'absence de Niat d'une absence qui paralyse bien sûr les travaux du côté du Sénat. Eh bien, ce dernier n'a pas été aperçu à l'hémicycle depuis la première session de l'année 2024 ouverte. Il y a déjà deux semaines, les informations sur son indisponibilité à cause donc de son état font état de ce que il serait dans un état de santé préoccupant. Et bien sûr, le journal revient sur cette actualité en page 3. Le jour d'Aman Mana nous plonge donc au cœur de l'affaire James Mwangi Kobila. Eh bien, selon le quotidien bleu, alors qu'une procédure pour harcèlement sexuel est pendante devant le tribunal de petite instance de Yaoundé, un centre administratif contre le président de la commission des droits de l'homme du Cameroun, ce dernier a saisi, nous fait savoir le journal à son tour, le tribunal contre son ex-collaboratrice pour diffamation. Information à retrouver à la page 3 de ce journal. On termine parfois ici avec l'œil du Sahel. L'œil du Sahel parle de Touboro avec un chef du village pendu par des preneurs d'otages. C'est une information contenue à la page 3. C'est donc avec cette nouvelle triste du journal L'œil du Sahel qu'on met un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info et Télévision. La première revue de presse était à 6h45 avec Théophile Vianney-Biya. La seconde, c'est dans le cadre de ce prestigieux programme présenté bien évidemment par vous, parfois ici. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque. Comme d'habitude, vous ne partez pas. Le fait saillant de l'actualité que vous allez dérouler ce soir aux 19h et aux 20h nous intéresse. On parlera de Cabral Libye, l'actualité liée bien sûr. Qu'est-ce que Cabral a encore fait?
Vous savez que il n'est plus, selon le fondateur du parti PCRN, président national de ce parti. Eh bien, il y a des interrogations. Cabral a été limogé. Oui. Bon, maintenant, beaucoup se demandent si il fait toujours partie du PCRN. Donc, on essaiera justement d'éclairer la lanterne de ces personnes. S'il est toujours député du PCRN. Donc, on essaiera d'éclairer la lanterne de ces personnes. Bon, au niveau de l'élection, au niveau du mandat des députés, vous pouvez ne plus faire partie d'un parti politique, mais vous demeurez député hein, jusqu'à la fin de la mandature. Bien sûr. Oui, Blériot veut ajouter quelque chose. Cela s'appelait le mandat impératif. C'est-à-dire que Cabral et tous les autres, s'ils ne sont plus du PCRN, demeure des députés de la nation, et c'est le PCRN qui n'a plus de députés, enfin qui diminue au fur et à mesure qu'il n'y en a. Voyez, le SDF a un député qui est parti. Nietzsche est, vous avez un cas d'école. Donc c'est vraiment un cas d'école. Nietzsche est député, mais il n'est plus député du SDF. Voilà. Donc la polémique enfle, vous allez faire vos recherches, mais je suis déjà. C'est bizarre quand même. Un pays dans lequel des prétendus pères fondateurs des partis politiques chassent des présidents élus. Vraiment, on pense que sous un certain règne. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça le débat, Pierre Blériot? Oui, ben c'est ça le débat. Il n'y a aucune qualité. Vous appelez les juristes du monde. Je ne sais jamais vu. Mais c'est déjà vu quand même avec ce régime. Quand ils veulent détruire un parti politique. Il faut savoir pourquoi le père fondateur. Non, le père fondateur n'a aucun. Ce n'est pas un statut juridique, pas fait ici. C'est pas un statut juridique. Donc Amadou Ahidjo peut revenir ou ses enfants, ses ayants droit chassés Biya, président du RDPC, puisque c'est l'UNC qui est devenu le RDPC. Non, vraiment. Mais elle est toujours militante du parti. Non. Il n'a pas été exclu. Il a été exclu du parti. C'est la seule chose que le président peut faire. Vous pensez qu'il a été. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Voilà. En tout cas, moi j'ai la note. Hein. Peut-être qu'on va la retrouver tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on parle d'exclusion du parti. Parce que je sais. On parle simplement qu'il n'a plus qualité de parler au nom du PCRN. Donc il n'a plus qualité d'être président. Oui. Parce que la différence, justement, avec Nietzsche, lui, il a été exclu du parti. Tout à fait. Mais lui, on parle justement de poste. D'un poste, oui, où il ne serait plus président national. Le poste de président est dans un parti politique, c'est un poste électif. Ce qui est en train de se passer là, ça n'a même rien, vous ne trouverez rien de juridique en cela. C'est-à-dire qu'on a donné le pouvoir au fondateur de débarquer une équipe qui était légitime. Ça, c'est. Vous allez chercher. Et on sait qui a fait ça. C'est-à-dire que. Qui l'a fait? Le Moulinex. C'est lui qui fait de telles choses. Il faut avoir des preuves. Je dis que c'est le Moulinex qui fait de telles choses. C'est un Donc, mais cette façon barbare. Vous savez que je ne soutiens pas le PCRN particulièrement. Mais cette façon barbare de faire de la politique. J'avais déjà dit à Cabral de ne pas être très doux. C'est à force d'être doux qu'on entre dans son parti. Est-ce que Cabral est doux? Il est très doux. En enlevant les micros en premier. Non, ça c'est zéro. Ça c'est zéro. Il est trop doux. C'est le haut niveau même. Entrer dans le MRC, aller enlever comme tout président du MRC. Et à la veille des élections en plus. Entrer dans, si vous êtes entré avec le Moulinex dans le MRC enlevé. Merci beaucoup. De toutes les façons, ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Le président du MRC est là. Je pense que. Nous allons voir. On peut aller le voir pour lui donner l'argent comme on fait souvent. On lui dit débarque, calme tout. C'est des méthodes forestières. C'est vous qui dites souvent ça veut dire que le père fondateur, s'il faut l'appeler ainsi, du MSC n'a pas de personnalité. Il n'y a pas de statut juridique de père fondateur. Ça, c'est les méthodes du RDPC. Puisqu'apparemment, c'est justement pour détruire la vision du. Ah, mais bon, on m'a dit quoi? C'est ma chose. Voilà comment les gens du RDPC parlent. Ça peut être ma chose. Alors, je mettrai dans la chambre. Vous parlez comme ça, c'est bien bleu. On parlait par exemple de monsieur, comment on l'appelle, monsieur Frondi, paix à son âme, lorsqu'il avait des problèmes avec Nietzsche.
Oui. Vous avez dit ce que Albert Bourdieu a fait. C'est sa chose. Pas, donc pas, il peut chasser. Non, parfait. Effectivement. Parce que là, c'est juridique. Vous, vous venez donc de tomber dans le piège. Comment Frondi n'était pas père fondateur, mais il était président. C'est le président qui peut chasser les gens. Donc le président peut chasser qui il veut. Oui, le président. C'est juridique. Oui, oui, oui. Le président peut vous chasser du parti. Oui, il y a un chasse qui il veut. Oui, parfait. Le président a ce pouvoir. Nous sommes sur le plan juridique. Oui, et je vous dis que sur le plan juridique, le président peut vous enlever vos qualités de membre de son parti. Oui. C'est un parti état, c'est tout, c'est normal. Dans tous les partis. Je ne sais même plus ce qui est normal. Le président a reçu mandat de le faire. D'accord. Lui, il peut le faire. Mais le fondateur, ce n'est pas un statut juridique de fond. C'est une façon d'appeler les gens. Est-ce que vous avez vu les PCRN? C'est aussi ça. Mais le parti doit appartient à qui? C'est pas au fondateur. Vous prenez, vous récupérez un parti qui est en, on peut dire en hibernation. Vous développez l'idéologie. Vous créez une visibilité dans la société. Vous mettez... Pourquoi vous ne créez pas votre propre parti? Voilà. Je pense fermement qu'un jeune doit créer son propre parti. Et pourquoi il ne crée pas? Mais lui, il a commis une erreur. Je te donne une information. Il n'a pas commis d'erreur. Depuis 4 ans, son parti est en création. Apparemment, vous êtes devenu le communicateur du PC. Non, je l'institue toujours. Vous m'inquiétez là. Il faut même que je t'inquiète beaucoup plus. Une injustice aussi grave se produit. Et moi, je lui ai dit, ce qui se passait dans la maison des poules a traversé dans la maison des canards. On a commencé à déstructurer le MRC. Maintenant, on est au PC. D'abord, avant ça, du PC. Ces techniques sont vieilles comme le monde, on les connaît. On est allé réveiller ce vieillard dans son village, on lui a dit, viens, on part à Yaoundé, tu vas détruire le parti. Et vous verrez, attends, quand Cabral a quitté le parti univers, il en est où? Mais là, on est où comment? Être indélicat dans cette affaire, c'est que justement, on peut faire mourir le parti à cause de ces manœuvres. Merci Patrick Bala. Ce n'était pas un sujet. Mais comme je vois que le sujet préoccupe et soulève apparemment même les passions, nous allons donc voir cette semaine. On va le mettre en débat. J'ai des images de Kona où il reconnaît que le parti appartient à Cabral. J'ai ces images de sa propre bouche. Pour l'instant, je vous ai dit que nous avons un sujet en débat. Laissez la vieillesse, c'est pas un vieux. Le monde sera vieux. Nous allons vers le sujet en débat. Malheureusement, mercredi, je vais me rapprocher de Cabral en espérant qu'il va me prendre au téléphone. Donc, qu'il envoie quelqu'un. Je vais aussi chercher quelqu'un du papa Kona pour un bon débat. Et comme ça, Blaireau sera aussi là, même comme on connaît sa position. Mais en fait, deux personnes de Kona. Et le débat sera houleux. Patrick Bala, parfait ici. Merci d'avoir encore été là ce matin. Et à demain 10h. À demain, parfait ici. Nous allons également rendre hommage à une dynamique d'âme qui nous a quittés il y a pratiquement 3 ans. Donc, elle est morte le 18 mars 2021. 18 mars 2024, cela fait donc effectivement 3 ans qu'elle n'est plus de ce monde. C'était Madame Nang, née Abada Bicor Pascaline, que nous avons justement en image. Nous sommes de tout cœur avec son époux qui est donc resté veuf. Il s'agit de Monsieur Nang Maurice qui est établi du côté d'Akonolinga. Madame Nang, née Abada Bicor Pascaline, était une institutrice. Elle n'est plus de ce monde. Cela fait exactement 3 ans. Nous supplions, nous continuons à prier le Seigneur pour que son âme repose toujours en paix. 3 ans plus tard, son mari reste
inconsolable et maintenant toute sa famille nucléaire. Moi, j'ai connu cette dame, cette jeune dame, c'était une femme de qualité. Malheureusement, elle n'est plus de ce nom, de ce monde. Paix à son âme. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau. Avant de prendre la dénonciation, nous accueillons d'abord le docteur Ariel Meunier. Bonjour docteur. Bonjour parfait ici. Bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Ils sont des millions. Oh, des millions, ok. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. Ça faisait longtemps, hein, nous avons plus vu sur ce plateau docteur. Ah, on présume très occupé. Justement avec les mutations, un peu de boulot. Bon, ce n'est plus assez vraiment facile pour moi d'être là et de respecter toujours vos invitations. L'argent, mais c'est un plaisir. L'argent entre un peu Pas l'argent, mais... Mais quoi? Quand on travaille quand même, on a droit à mériter. On mérite quand même avoir les perdièmes de ce qu'on fait comme effort. Merci, docteur Ariel Meunier, d'être là. Vous êtes donc jeune politologue. Votre expertise nous aidera dans le cadre justement de ce programme. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot en l'absence de Bernardo qui nous donne donc la dénonciation de ce matin. Parfait, ici moi, mes choses, je les prends dans le vécu des hommes. Hein. En venant au travail ce matin au niveau de la poste centrale, parce que j'ai fait un contournement, je devais arriver au niveau de l'avenue des banques. Parfait, un phénomène terrible se vit en pleine capitale. Des sociétés à revenus limités, les SAR, de mendicité, sont créés dans toute la ville de Yaoundé. C'est-à-dire, père, mère et enfants ont envahi le centre-ville de Yaoundé avec des seaux, des assiettes, partout. Les gens sont assis à l'entrée du premier ministère, ils sont assis au ministère de des relations extérieures, ils sont assis à la... Ils sont au niveau de la poste centrale, c'est eux qui font la part belle au feu vert et au feu rouge, ils sont partout. Pour l'image de notre pays, pour l'image de la ville, déjà il faut le préciser, la mendicité est un délit, désormais puni par le nouveau code de procédure pénale. Parce que les gens ne le savent pas. Mais il y a un autre problème dans la dénonciation que je veux évoquer. Nous sommes Camerounais, nous nous connaissons, il faut qu'on s'aide en communauté. C'est peut-être une pratique qui est propre à une culture, mais que nos frères qui appartiennent à cette culture nous aident à assainir la ville. Parce que je crois qu'il y a une crainte même des autorités administratives à prendre le problème à bras le corps. Parfait, ici. En général, c'est des enfants du Nord qui ont rempli le centre-ville et partout ailleurs. Ce n'est pas beau. C'est pas beau à voir. Ils sont partout. Ils mettent les mains dans les voitures. Je dis, les missions diplomatiques qui sortent du Minrex, parfait, il faut voir. Une fois que vous êtes sortis, les gens sont là, les jeunes fillettes de 4 ans, de 2, avec les seaux et tout. C'est une image pas du tout bonne de notre pays. Donc il faut le dénoncer et interpeller à la fois la grande communauté du Nord qui sait faire les choses, mais également les autorités administratives, le préfet du Foundi, le gouverneur du centre, et tout, qu'elles donnent des instructions. Parce que ça fait aussi partie de la salubrité publique. On ne peut pas, quand même, ne pas circuler parce qu'il y a... Et ces enfants, il faut le dire, je vous ai dit, c'est des salles, donc c'est des entreprises. Papa et maman sont cachés quelque part là. Les enfants ne sont même plus sales comme avant. C'est donc de véritables entreprises. On amène les... On les poste à différents endroits sensibles de la ville. Je ne sais pas si les ministres et autres gouverneurs qui basent ne voient pas que ce n'est pas beau. On va filmer ça et envoyer. Très bien.
si je comprends, donc bien, vous allez en guerre contre les mendiants. Oui, contre des mendiants qui viennent obstruer les rues. Les mendiants vous énervent. Parfait, ici c'est des faux mendiants. Je ne fais que vous le dire, c'est des faux mendiants. D'accord, c'était pour vous rire un peu. Oui, on va passer la parole d'abord au docteur Ariel Meignier, blérieux en train de poser. C'est vrai que nous rions, hein, mais au-delà de tout, on peut peut-être se dire que c'est un problème sérieux. Il y a même un problème de sécurité au niveau de ces enfants. Ils sont là, des petits-enfants de 3 ans, 4 ans. 5 ans, 6 ans, avec des petites assiettes, dès qu'il y a le feu rouge, les voitures, il et elle ont déjà envahi la chaussée, une voiture peut percuter une, ou je ne sais pas. Quel est votre regard sur cette dénonciation de Blériot de ce matin? Bon, mon regard sur cette dénonciation ce matin est un peu très, je serais un peu dur envers les parents. Parce que, vous savez, même en droit international, le travail des enfants est interdit. Et lorsque nous parlons de ça, ça veut dire ces sociétés qui prennent ces formes-là. Mm. Ça veut dire que les parents exploitent ces enfants de fins financières. Mm. Parce que chaque soir, je crois que ces enfants ont des sommes qu'elles viennent verser. Et c'est aussi malhonnête parce que ces parents apprennent à ces enfants à être des petits bandits. Dans la logique selon laquelle, passer après 5 minutes, vous changez même d'habit ou bien vous ne changez même pas. Ces enfants reviennent chez vous toujours, vous allez constater que le bol est toujours vide. Même si vous êtes passé, vous avez mis un billet de 1000 francs, vous repartez, retournez au niveau du ministère de l'éducation, vous revenez encore repasser, la même petite fillette vous attrape encore, vous remettez, mais le bol est toujours vide. On se demande donc cet argent va où? Donc il y a une personne à l'extérieur bien... caché derrière, quelque part, qui récupère et à tout moment nous fait croire que ce petit bol est vide. C'est pas vraiment dans une société sérieuse, c'est pas honnête. Les enfants sont faits pour être éduqués. Et l'éducation, c'est aller à l'école. Parce que au moment où leurs frères d'âge partent à l'école, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils sont en rue, dans les rues pour mendier. C'est pas normal. Je crois que les politiques, ça veut dire le ministère... des affaires sociales et tout ce qui encadre cela doivent prendre des mesures vraiment restrictives pour que nos rues ne soient plus remplies de tels phénomènes. C'est pas vraiment beau pour l'image de notre pays. Très bien. C'est pas beau pour l'image du pays. Adrien Bacon, entre-temps, si nous sommes misérables, est-ce que nous allons cacher notre misère? Un homme affamé est un homme sans dignité, disait le président Paul Biya à la tribune des Nations Unies il y a une quinzaine d'années. Alors, que faisons-nous? Si peut-être il y avait les meilleures conditions de vie au Cameroun, on n'allait pas voir les enfants de 3 ans en route pour mendier. C'est vrai que on a un regard accusateur sur le gouvernement, ou bien sur l'État. Mais moi, je vais parler de deux choses. Oui. Je vais parler... en profondeur, premièrement, je vais parler de la responsabilité de l'État. Et je vais aussi parler des responsabilités individuelles en général. Pour commencer à parler de la responsabilité de l'État, il faut d'abord définir ce que c'est que l'État. L'État est le titulaire politique, la force, la puissance, ayant la capacité de mettre la société en activité. En fait, donc pour dire que le rôle de l'État, c'est d'améliorer la croissance des opportunités des jeunes. Quand je parle d'une jeunesse, je parle d'une jeunesse entre guillemets. On peut prendre une fourchette de 0 à 100 ans parce que tout le monde est jeune. Il y a des gens de 75 ans qui n'ont jamais eu 1 million de francs CFA. Donc tout le monde a besoin que ses conditions de vie soient améliorées. Donc pour dire que l'État a beaucoup de choses à faire, l'État doit... redynamiser par exemple et renforcer l'économie. Qui parle d'économie parle de la synonymie de la politique. Donc l'État doit renforcer l'économie, réduire par exemple le taux de chômage, essayer par exemple de récupérer par exemple le maximum de jeunes possible pour une certaine réinsertion sociale. Parce qu'il y a beaucoup là qui se déguisent, qui font semblant de faire du commerce alors qu'ils sont des apacheurs, ils font du pickpocket.
Donc, voilà le rôle de l'État. Maintenant, j'ai parlé en deuxième position des responsabilités individuelles, je crois de façon générale. En parlant des responsabilités individuelles, c'est là où nous devons prendre donc l'éducation personnelle. Parce que un homme sans éducation est une coquille vide. L'éducation, premièrement, vient d'abord des parents. C'est vrai, d'un diront peut-être qu'il y a des orphelins et tout, mais on ne se fait pas seul. Même si vous avez grandi dans un orphelinat, il y a au moins quelqu'un devant vous qui vous donne un plat de nourriture par jour. Vous prenez au moins ces gens-là comme vos parents et ils peuvent vous inculquer une certaine éducation. Et à partir de là, vous pourriez avoir peut-être votre baccalauréat. Et pourquoi pas, vous pouvez être financé par votre orphelinat et devenir quelqu'un pour dire que quelqu'un a toujours un repère quelque part, même si tu es orphelin. Donc, pour dire que l'éducation, c'est quelque chose de très important. Parce que si des individus sont bien éduqués, que quelqu'un sait que non, jeter des ordures au sol, c'est pas bien. Naturellement, s'il voit un bac ordure, il ne va pas venir jeter les ordures au sol. Alors, concernant quand même l'aspect de ces enfants qui mendient, qui sont là en route, presque qui agressent, ainsi de suite, quel est votre regard? Mon regard à ce sujet, c'est qu'il faudrait, on va encore parler du gouvernement, il faudrait que le gouvernement essaye de mettre une force en place, essayer de dégager un peu la société. Parce qu'à un moment donné, si... Qu'est-ce que vous mettez dans dégager la société? Dégager la société, ça veut dire que mettre les forces sur le terrain, non? Quelles forces? Les forces de l'ordre, par exemple, pour veiller, par exemple... Faut que les forces de l'ordre chassent ses enfants? Pas chassent ses enfants. Les forces de l'ordre vont en faire quoi? Non, du genre, par exemple... Ils viennent pour essayer, par exemple, d'ordonner, par exemple, les choses. Pour essayer ordonner de... quelle chose? C'est pas normal. Ils vont ordonner quoi? Je sais que c'est pas normal. Mais dites ce que vous devez dire. C'est ça qu'il ne faut pas contourner. Dites je ne suis pas en train de contourner. C'est ça le problème. C'est le problème. Je dis ce qu'il faut faire. Ne dites pas ça. Ne va pas vous aider. Dites seulement. Non, dites que là. Parce qu'en fait, là où les enfants sont tenus, les policiers sont tenus là. Ok. Vous n'avez reçu aucune instruction de les chasser. Vous allez en Gomodiap actuellement. Ouais. Vous trouvez nos frères de la communauté du Nord en train de faire le même travail là-bas, en Gomodiap. Est-ce qu'il n'y a pas les enfants en Gomodiap pour faire la mendicité? Donc, ce n'est pas l'État. Il faut dire, c'est pas que non, faut dire que demander, oh, par exemple, au commissaire, il ne va pas dire ce que tu as dans ta tête. Non, mais il t'a dit que les forces de l'ordre doivent faire. Les forces de l'ordre doivent parler de beaucoup de choses. Donc, les forces de l'ordre doivent aller souvent embrasser les enfants, là, les porter. Non, voilà. J'ai dit que les forces de l'ordre doivent ici. Essayer de réglementer les choses. Lesquelles? Réglementer ce qui est fou. J'en viens, les enfants sont sur le terrain. Oui. Il faut leur dire que leur commerce qu'ils exercent, ce n'est pas légal. Voilà. Ils les dégager. Ils n'exercent même pas en commerce. Non, c'est pas. Je t'ai dit que le code pénal actuel condamne la mendicité. Très bien. Merci Adrien Bacon pour votre intervention. Merci. On va passer la parole ici. C'est toi qui dirais. DP, c'est un sujet préoccupant. Que devons-nous faire? Blaireux a posé un autre problème, l'image du pays. Parfait. Ce qu'il faut relever ici, c'est que le problème est profond. Oui. Le problème est profond déjà dans notre société africaine, parce qu'on n'est pas les blancs. Chaque culture a ses mœurs. En fait, chaque peuple a ses mœurs, oui. Et sa culture. Au Nord, être griot, c'est un travail. Oui, c'est vrai. Vraiment, être griot, c'est bien sûr un travail. Oui. On le fait de génération en génération, de père et fils. La mendicité que Blériot soulève là, c'est un travail chez eux. Non, là-bas, c'est presque normal. C'est un bon lien avec le courant. Oui. Il faut que les gens soient là, demander l'argent aux gens. C'est comme ça. Les gens doivent être là en train de chanter les louanges de Pafa ici. Oh, Pafa ici, bonjour le matin. Oh, Pafa ici, ta femme est belle. Pafa ici, toi, tu es très beau. Pafa ici, tu es bien habillé. C'est le griotisme, non? On appelle ça la talakou. C'est l'appellation, comme dit le docteur, c'est la talakou. La talakou. dans la modernité. Et maintenant, parfait, je vais t'expliquer. Je suis parti une fois au nord. En fait, je suis parti au nord, il y a de cela quelques années aujourd'hui, pour la première fois. Je menais une enquête sur l'établissement des actes de naissance. Oui. Alors, je suis arrivé en Ngaoundéré.
j'ai fait une enquête monumentale où je découvre que cette année-là, il y a eu près de 3000 enfants de moins de 10 ans qui n'avaient pas d'acte de naissance, qui étaient incapables de faire le CEP, la culture du Nord. Nous avons mené cette investigation. Bon, ils nous ont, on a rencontré plusieurs Diaoro, on aime rencontrer Lamido. Comme ils nous appelaient, ils nous ont surnommés, ils nous appelaient les Gadamayo. Mm-hmm. Ce sont les gens qui sont de l'autre côté. Oui, c'est comme ça qu'ils nous ont appelés, les mm-hmm. Gadamayo. Alors, je découvre là-bas, un père, il a 15 épouses, et elles accouchent comme des souris. Véritablement, et il n'a pas. Donc, disons qu'elles accouchent beaucoup. Oui, elles accouchent beaucoup. Elles accouchent vraiment, c'est trop facile. Mm. Et le gars ne se plaint pas pour aller faire l'acte de naissance. Et pourtant, nous, ici, dans notre société, ici, on sait que dès que ta femme accouche, tu, la première des choses, deux jours après, c'est que tu cours à la mairie. Je pense que la loi donne deux semaines. Deux semaines, voilà. Mais chez eux, ce n'est pas quelque chose qui entre dans leurs mœurs. Je ne sais pas s'il faut reformer la culture des gens du Nord, ou il faut refaire, ou je sais pas, où il faut les refaire, comment dire, refabriquer. Parce que ce qui se passe à Yaoundé, là, pour eux, c'est normal. Et moi, mon père m'a toujours expliqué que, parfait, pour avoir une bonne société, il y a les fous, il y a les sages, il y a les intelligents, il y a les mendiants. Donc, peut-être, on pourra peut-être les dégager en plein centre-ville, comme on a enlevé les motos taximènes. Les enlever de la visibilité de ces autorités-là qui y passent. Mais je vous assure que parfait, c'est un problème très compliqué. C'est donc un problème très compliqué. On va repasser la parole à Pierre Bellerio, qui a d'ailleurs apporté cette dénonciation ce matin. Pierre Bellerio, problème compliqué, problème qui peut être également politique, problème délicat, puisque là, ça touche d'ailleurs aux communautés. Vous suivez mon regard, oui. Le contexte est dans. L'élection, c'est pour bientôt. Et le Grand Nord constitue pratiquement près de 45% de l'électorat. Je ne sais pas si tu vois ce que j'ai envie de dire. Oui. Mais qu'est-ce que nous faisons? Ben, parfois, ici, quand on se met ensemble, vous voyez, c'est pour créer un pacte commun. Et là, moi, j'interpelle la grande élite du Grand Nord. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous comprennent et qui comprennent même ce qu'on veut dire. Ce n'est pas beau. Ça, c'est le travail, par exemple, du ministère des Affaires sociales. Et même la promotion de la femme et la famille. Allez voir les budgets de ces ministères, d'une part. D'autre part, vous venez de, c'est vous qui venez de toucher le point. Le problème devient politique. C'est-à-dire que ces ministres peuvent même avoir l'envie d'agir. Mais on va se dire, si tu le fais maintenant, la communauté du Grand Nord va réagir en disant qu'on est en train de chasser nos enfants de Yaoundé. Ce n'est pas ce qu'on... On ne va pas dire qu'on dit qu'on ne veut pas la mendicité. Mm-hmm. On a vu des situations. Bon, si chaque communauté, il y a des communautés d'éleveurs qui élèvent les porcs et autres. Si les Tchang décident d'élever les porcs à la pose centrale, tu dis encore pourquoi? Pourquoi on dit que les élevages doivent se faire à bonne distance des maisons d'habitation? Vous voyez, ça va poser un problème. Les bassins, nous n'aimons pas beaucoup les toilettes. Mais si on décide donc que c'est la pose centrale qui va devenir nos toilettes. Non, on ne peut pas. Non, je dis clairement, la ville a des principes. On ne peut pas laisser le grand centre-ville. À Douala, par contre, ça a été résorbé. Hein? Je ne dénonce pas Douala ici. Vous ne pouvez pas arriver à Bonanjo, Bonaprizo, vous rencontrer des gens qui barrent. Non, non. Même les motos savent déjà que c'est une zone interdite. Oui, oui. Yaoundé ne peut pas être une grande poubelle. Le centre-ville, Yaoundé premier ne peut pas être une poubelle. Il faut dire ça. Et donc, comme beaucoup l'ont expliqué ici avant moi, il ne s'agit pas de mendicité simple. Il s'agit d'escroquerie. Quand une petite fille à 3 ans fait dans la mendicité à la poste centrale pendant que les autres petites filles vont à l'école, quel est son avenir à 13 ans? Qu'est-ce qu'elle devient à 13 ans? Dans la suite logique. Rien du tout. Prostituée. Prostituée. Et pas en mariage. Qui va l'épouser? Donc, voilà. Donc, quand un garçonnet de 5 ans est en train de faire la mendicité pendant que les autres sont en train d'aller à l'école, à 13 ans, qu'est-ce qu'il devient? Motomane. S'il n'est pas motomane, il est motomane et braqueur.
Donc, on est en train de fabriquer quelque chose qu'on ne peut pas endiguer à long terme. Il faut assainir la ville. Ces personnes qui font ces choses-là, les renvoyer, ne serait-ce que pour l'image du pays. On les renvoie en Vaugada, après Vaugada, mon bord de... Mais qu'on dise qu'à la poste centrale, à l'hippodrome, ainsi de suite, qu'on ne voit pas ça, que ce soit propre. Ça, il faut que l'autorité administrative, et j'interpelle aussi le maire de ville, j'interpelle le maire de Yaoundé premier, qui est ton ami. Voilà. Ce n'est pas un ami, c'est un grand frère. Bon, le maire Abouna. Le maire qui a marié avec la maire Claire. Voilà. Voilà. Non, il faut savoir que c'est le maire de l'État. Hein. Le maire du chef de l'État. Le maire du chef. Parce que le chef de l'État fait partie de Yaoundé premier. Premier, j'interpelle le sous-préfet de Yaoundé premier. Oui, qui est également aussi un ami. Un ami à toi. Tu vois, j'interpelle le préfet de Foundi, qui par contre, lui, il était un ami à moi. J'interpelle le gouverneur du Sahara. Il était. Il est mort. Comme tu as dit, il était un ami. Voilà. Alors, j'interpelle le gouverneur. Il faut assainir le centre-ville de Yaoundé. On ne peut, c'est pas beau. Quand on renvoie ces images partout dans le monde, ça donne l'impression que personne ne mange même à Yaoundé. Très bien. Merci Pierre Blériot. Lisons quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Et je commence donc par le Gabon. C'est le 241. Et que dit le Gabonais? Bonjour le général Oligui de la modération. Vraiment, je suis déçu de voir un jeune blagueur sur un sujet aussi sensible comme celui de la mendicité. Si nous voulons avoir des villes modernes, il faut éradiquer la mendicité avec la plus grande fermeté. Sacré Blériot, c'est Roger des plus Libreville qui envoie le message. Je pars au plus 229. C'est quel pays là? Je pense au Bénin. Le problème des mendiants dans nos capitales africaines et grandes villes est déplorable. Sans fustiger une religion, il y a aussi le phénomène des talibés, ces enfants des écoles coraniques qu'on force à mendier et qu'on instaure comme une obligation dans le processus de leur apprentissage. Au Bénin, le président Patrice Talon a pris une décision radicale à travers une loi, l'interdiction des mendiants, des fous dans les rues de Cotonou. Au début, on a trouvé ça dur parce qu'il y a de vraies nécessités dans le lot. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'était une salubrité publique. Les rues sont désormais dégagées et le motocycliste et l'automobiliste peuvent circuler librement. Il y a eu même une loi qui avait instauré l'abattage des chiens errants, parce que ça aussi, c'est un autre souci. François d'Assise, depuis Cotonou. Voilà. Autre message, et là je vais au 213. L'Algérie. C'est l'Algérien. Oh là là, le message de l'Algérie veut s'enfuir. Je vais le récupérer, qu'on le veuille ou pas. Oui, je l'ai récupéré, le 213. Bonjour Perfecto, le Serge Branco de la modération. Non, je ne suis pas ça. Bléru, il y a un mec, le Ernest Obama de l'analyse. Bléru, tu acceptes? Ce type est un provocateur. Là, c'est provocant. Bientôt, il va dire que Concernant cette histoire de la de mendicité, mon candidat Maurice Kamto avait déjà exigé qu'on introduise la mendicité comme un délit dans le code pénal en 2009. Et cette année, j'ai vu les gens le lyncher, l'insulter et le traiter d'inhumain. C'est aujourd'hui que je réalise que cet homme est un visionnaire dans tous les sens. Tous les sujets qu'il met sur la table de discussion finissent toujours par nous rattraper. Maintenant que nous tous nous réalisons que l'homme là avait raison, prenons donc les mesures adéquates. Ces mendiants qui ont élu domicile dans nos villes ont même déjà leur loi, leur code pénal, leurs tribunaux et leur constitution à eux. Parfois un mendiant dit à un autre mendiant que ici c'est mon territoire et j'ai déjà payé les droits de terre au boss. Et le boss en question est toujours aux aguets. Vous allez le voir debout dans un coin avec un chapelet en main et une sorte de brosse à dents et qui est une écorce ou bien une tige de bois avec laquelle il passe le temps à se brosser les dents. C'est lui qui déploie les mendiants sur le terrain et le soir, ceci lui reverse une quote-part. Voilà. Cela signifie que c'est bien organisé. Hein? Ah oui, ben attendez. Alors, je pars au plus 32.
c'est la Belgique. Mm-hmm. Bonjour, parfait. Monsieur Bomba, vos mots sont trop forts. Refaire leur culture. Non, non, non. Enlevez ces mots, monsieur. C'est son mot depuis Bruxelles. Il a retiré, il a fait retirer. J'ai retiré. Bon, monsieur Bomba a retiré. Monsieur Bomba, je vous dis, c'était délicat. C'était très délicat. Quand j'ai dit mes choses, vous dites ce que je fais. Alors, on va prendre d'autres messages. Bonjour, le meilleur modérateur. Bonjour, le meilleur modérateur de la planète Terre. S'il vous plaît, évitez d'inviter les fidèles de l'église du RDPC et traite des Camerounais des idiots, toujours en train de contourner les questions qui leur sont posées. Pardon, ne chassez pas nos téléspectateurs. C'est Pascal Mbankan, Douala, Ndokpa C3, Villa GE. Bonjour à vous sur le plateau. Sachez que les mendiants dont vous parlez ne sont des ressortissants du Cameroun. Ce sont des étrangers qui viennent d'un pays d'Afrique de l'Ouest dont je cite le nom. Bonne émission. Maintenant, il n'a pas donné le nom. Alors, autre message, il faut toujours distinguer les ressortissants du Grand Nord et ceux qui viennent du Nigeria ou du Niger. Si vous ne connaissez pas, demandez avant de venir dire ce sont les gens du Nord. C'est Yaya qui envoie le message. Faut pas déranger les autre gens. Préoccupation. Bonjour. Parfait. Ici, suivant la dénonciation du jour, ce que dit Blériot, c'est parfaitement vrai. Ici, à Douala, c'est pire. Mais je mets qui concodifie, ce sont des Nigérians. Et ils n'ont aucun enfant, il n'y a aucun enfant du Nord Cameroun. Pour conclure, je veux vous faire une confidence. La majorité de ces enfants sont loués à leur famille au nord du Nigeria. Une fois que tu commences à grandir, ils te ramènent pour reprendre les plus petits. On a même créé une association ici, à Bonapriso, pour les interpeller et s'occuper de leur transport jusqu'à Mobi, Yola, Kano, mais ça n'a pas marché. Ils envahissent toujours. Il faut que le pouvoir en place saisisse l'ambassade du Nigeria à Yaoundé afin de trouver des solutions à ce problème. C'est Aliou depuis Douala qui envoie le message. Bonjour le plateau. C'est grave ici à Bertois, canon avec les chèvres et moutons dans les maisons des gens. Concernant la mendicité, ici dans les rues de Bertois, ces soi-disant mendiants sont remplis dans les rues accompagnés de tous leurs enfants. Il faut qu'on interdise cela. C'est Corinne de Bertois qui envoie le message. On va prendre... On repart du côté de WhatsApp hein, pour voir ce qui se passe là-bas. J'étais d'abord la simple messagerie. Et lorsque j'arrive à WhatsApp, je tombe sur le 216. C'est la Tunisie. Bonjour monsieur et toi, perfecto. Je suis Francis depuis Tunis. Concernant Ngando, non, ça c'est un vieux message. Hein. Je voulais demander si nous suivons la même télévision. Alors je prends le message d'aujourd'hui venant de la Tunisie. Bonjour, parfait. Le ndolet de la modération. Et bonjour au grand sage Blériot. Je suis Laurent depuis Tunis. J'étais à l'avenue des banques récemment et c'est grave avec ses enfants. J'ai vu un monsieur qui coordonne ses enfants et qui a une grande voiture de grande marque. Donc honnêtement, c'est très bien structuré et ces gens sont malhonnêtes. Même ici en Tunisie, c'est grave. On appelle ça le salam aleikum. Les Tunisiennes quittent avec des enfants dans des villes lointaines et arrivent dans la capitale Tunis faire leur boulot et ils ont des grandes villas dans leurs villes respectives. Mais faire cela en ville, hôtel de ville, hippodrome, ministère de la communication, à côté de la CRTV, DGP, délégation générale à la police des frontières, c'est pas beau. Le gouvernement doit changer cela. On va prendre peut-être deux ou trois dernières préoccupations. Bonjour, parfait ici et tout ton panel. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Blériot qui a mal fait l'enquête sur les mendiants. Qu'il aille au carrefour Ardala, il ne va trouver aucun nordiste. Ne confondez pas les ressemblances physiques aux Maliens, aux Éthiopiens, surtout Jojo depuis Maroua. Le RDPC peut tout faire, mais Cabral reste le futur président de ce pays. Autre message, je pars au 242. Là, nous sommes au Congo.
Bonjour au sac du Minkuta et à votre panel. Parfait, si le Moulinex parle encore, c'est le même Blériot qui va dire que le ministre n'est pas dans son rôle. À la fin, nous ne comprenons pas Blériot, le roi Salomon depuis Brazzaville. Parce que si le Moulinex dit encore qu'il doit la chasser ses mendiants, on va encore dire que non, le Moulinex est là. Il faut pas mélanger les choses, c'est paradoxal. Il faut pas mélanger les choses. Quand il fait bien, on dit qu'il a bien fait. Quand il fait mal, on dit qu'il a mal fait. Il a même interdit maintenant de dire qu'il a mal fait. Nous repartons au 242, c'est le Congo. Et depuis, oh là là, il a effacé le message. Au moment, j'étais en train de lire. C'est un Moulinex. C'est quoi cette manière de fonctionner là, mon ami du Congo? Alors, je prends un autre message. Bonjour, parfait, dites à tous les hommes et qui se font appeler bébés. Il y a vaccination demain contre la rougeole. Ils sont attendus très nombreux. Bébé, espace miné. Un autre message, bonjour le sac Banjok de luxe, juste te souhaiter une bonne semaine, surtout ne change pas. C'est Cyril Adouala qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour parfait, vraiment, quelle énergie tu dégages, est-ce que tu te reposes même? Ah ben, il faut travailler pour avoir de l'argent, il faut travailler. On repart du côté du 242, c'est encore le Congo. Depuis le mercredi passé, les émissions n'étaient pas disponibles sur Facebook. Quand le live d'Espace Miné finissait, il n'était pas disponible sur la plateforme. Et il y a des jours même où le live n'était pas disponible. Par exemple, le vendredi, le live n'était pas disponible et il a fallu attendre 21 heures pour le voir sur YouTube. Ce serait bien de régler le problème et aussi celui de la connexion, car il y a beaucoup d'interruptions. Bon, j'espère que notre technicien suit, le directeur technique, M. Kenfak. Il y a quand même beaucoup de plaintes, hein. Autre message, bonjour, parfait et belle émission. Ton consultant pense avoir le monopole du savoir jusqu'à dire, bon... Non, dis. Ça peut lui faire... Jusqu'à dire qu'un professeur titulaire des universités en convendant et qu'il est qui. Toi-même, Blurung, et mec, tu es qui? Demande entre en... politique et on verra si demande tu vas t'en sortir. Demande en convendant qui je suis. Demande en convendant. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, c'est un sujet très inquiétant. Ici au Grand Nord, c'est déjà tout un travail et c'est très normal. Je vous assure, l'autre jour, il y a une femme ici à Guidère qui fait ce travail et se vante qu'elle a même construit sa maison avec cet argent. Je vous assure, moi en tout cas, je ne donne plus mon argent à ces gens. L'autre jour, je suis au marché, un gamin s'approche vers moi avec une assiette et il me fait comprendre qu'il a faim. Qu'il n'a pas mangé depuis la matinée et je lui ai proposé de lui acheter à manger, perfecto. Il a refusé, me faisant comprendre qu'il voulait plutôt de l'argent. Je lui ai dit que je ne lui donne pas de l'argent. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que les Gadamayo sont trop 6. C'est Pancras et Guidère. Les Gadamayo sont trop 6. Alors, nous partons au plus 49, c'est l'Allemagne. Espace miné, toute la planète est connectée. Est connectée hein. Maintenant, partons au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour, perfecto, le vaisseau spécial de la modération. Wonderful. Peut-être, oui, le vaisseau. Peut-être vous voulez des vaisseaux spatiales hein, de la modération. J'ai pu me connecter pour la première fois en live. Le grand frère Blériot a raison. Ces enfants n'ont aucune place en route. L'État doit faciliter l'ouverture des initiatives privées comme les orphelinats pour l'aider à éradiquer ce problème et qu'il ne peut gérer seul. C'est Nicole depuis Berlin qui envoie le message. Parfait. Je pars au plus 33. Parfait. Oui, il y a quelque chose qui me revient. Oui. Vous savez... C'est bon, nous parlons des enfants ce matin. Mais je me suis aussi rendu compte qu'à un moment donné, même les grandes personnes sont aussi vraiment des acteurs majeurs de cette mendicité. Il y a des personnes que vous trouvez à la poste, ils vous disent, monsieur, s'il vous plaît, je me retrouve, j'habite à Oja. Vous prenez une somme d'argent, vous donnez à ce monsieur. Ce monsieur ne se déplace pas.
C'est parce que tu es naïf. C'est la vie que c'est ce que Jaël Bon. On faisait 6 km quand on était enfant. Si tu habites aujourd'hui, comment ça marche? Est-ce que si on ne donnait rien à ces gens-là, ils ne seraient plus là. Si tu habites, dis-moi que tu habites en Kourinda. Je ne te donne toujours pas. Alors, au plus 33, c'est la France. Un téléspectateur dit quoi? Un bonjour spécial à mon collègue, fidèle spectateur, téléspectateur d'Espace Mini, Pancras de Guider. Surtout merci pour la dénonciation, tonton Blériot. Autre message encore de la France. Une autre personne de la France. Bonjour, monsieur le DG. Nous avons un souci sur Facebook en live de notre émission préférée, Espace Miné. C'est Joël depuis Paris qui envoie le message. Ah ben, je sais pas ce qui se passe. Hein. Il faut que nos équipes techniques... Monsieur le directeur technique, il faut voir cette affaire. Je pars au plus 39. Cette fois-ci, c'est l'Italie. Je vous dis que le monde entier est connecté. Exactement. On part au plus 39. Que dit l'Italie? Buongiorno, perfecto. Et au panel depuis deux dimanches, Blériot n'est pas à libre expression. Si j'étais du parti du DP, je dirais que même à Paris, Rome, Washington, on trouve des mendiants qui demandent l'aumône. Sauf que dans ces autres pays, ces mendiants sont à 99% étrangers, contrairement aux 237. Blériot, il faut commencer par la sortie de l'aéroport de Douala. Je me demande comment on peut permettre l'image qu'on observe à cette sortie. Blériot dénonce est-il les mendiants ou ce régime qui a transformé certains Camerounais en mendiants ou encore laxisme vis-à-vis de ces mendiants? Dans ces derniers cas, on évoquerait la tolérance administrative. Faute de solution, on fait avec. Cabral avait voulu créer le parti Les Citoyens. Atangandi lui a dit que ce nom existait déjà. Je me suis demandé pourquoi il n'avait pas simplement changé de nom. Bonne journée depuis Ferrara. C'est Ndobo qui nous envoie ce message. Autre préoccupation, oh dis donc, j'ai pratiquement là plus de 1200 messages, hein. Je prends celui-ci, il est chanceux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Parfait, ici, bonjour. S'il te plaît, faut rappeler à Monsieur Niemek que ses enfants ne sont pas du Nord, mais que ses enfants ne sont pas du Nord, mais du Niger, du Mali et du Nigeria. Ses enfants parlent le Haoussa et non le Tupouri ou le Di. Merci à beaucoup. Écrit sur leur visage. À tout de suite pour la suite. D'arthrose, infertilité, rhume secret de la longue. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. On ne le dira jamais assez, tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Si vous nous rejoignez justement à l'instant, sachez que vous êtes en direct sur Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Ce matin, on vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt pour parler du peuple de manière générale, mais avec une préoccupation, les qualités d'un bon peuple. Quelles sont les qualités d'un bon peuple? Pierre Blériot, toi qui es l'un des meilleurs élèves de la classe, tu vas encore nous définir les mots durs ou expressions dures. Je pense que le principal mot ici, c'est le peuple. Maintenant, vous allez commencer donc par le peuple. Vous allez nous donner 10 ce qu'on entend par qualité. Maintenant, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous passe la parole, Pierre Blériot. D'accord. Je vais faire une définition par la négative. Dire ce que le peuple n'est pas. Pour qu'on comprenne facilement ce que le peuple est. Quand les êtres humains sont regroupés quelque part, ils constituent une population. Les populations se mettent en place de manière spontanée. Le peuple n'est pas une population. Le peuple n'est pas spontané. Le peuple est une construction, mais une construction historique. C'est un ensemble de populations qui ont cheminé depuis un certain temps, qui ont tissé des liens particuliers et qui se projettent dans l'avenir avec une ambition commune. Donc, le peuple se rapproche de ce qu'on peut appeler une société primitive. Voilà. Donc le peuple, c'est ces populations-là. Ce n'est pas des populations disparates, ce n'est pas des gens qui ne se connaissent pas, ce n'est pas des gens qui n'ont rien en commun. C'est des gens pour lesquels le passé a été commun,
Le présent est commun et l'avenir s'envisage ensemble. Ils ont donc des intérêts communs à défendre. Ils ont une même vision. Ils ont des mêmes projections. Voilà ce qu'on appelle un peuple. Et maintenant, les qualités. Bon, ben, les qualités en opposition aux défauts. Hein, parce que je vous avais dit ici que les qualités scientifiquement, c'est tout ce qui distingue un individu d'un autre. Mais dans le sens qui est le nôtre, c'est les atouts, ce qu'il y a de positif dans ce groupe-là qui peut lui permettre d'atteindre avec plus de bonheur les ambitions qu'il se donne. Très bien. Merci Pierre Blériot de nous avoir donné ces petites définitions pour nous permettre d'être au même niveau d'information. Mais sur ce plateau, nous avons également un politologue qui veut d'ailleurs prendre rapidement la parole. Là, je te pose pas de questions, hein, parce que c'est toi qui revendiques la parole. Oui, oui. Allez-y, docteur. Je vais ajouter de l'eau dans le moulin de Blériot. Vous savez, la définition de peuple est abordé sur plusieurs angles. Et je vois là, il a beaucoup plus opté pour l'option sociale. Donc, et ça va tout droit avec ce que Hannah Arendt appelle les communautés politiques. Donc, ça veut dire on est ensemble et on lutte pour un intérêt ou bien pour des objectifs communs. Bon. Maintenant, lorsque nous prenons par exemple l'aspect politique ou l'aspect culturel, des auteurs tels que Jean-Jacques Rousseau, nous parle de souveraineté populaire. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le peuple est un ensemble politique composé des citoyens d'une nation. Ça veut dire que ce sont eux qui donnent le pouvoir légitime à ceux qui nous gouvernent. Et en allant d'un aspect un peu plus économique, là, je vais prendre Karl Marx. On définit le peuple, il définit le peuple comme étant cette classe des ouvriers, la classe ouvrière, ceux-là qui travaillent et qui sont exploités par les capitalistes. Ah oui, là il parle de prolétariat. Justement, c'est pour cela qu'à un moment donné, quand vous avez lu Karl Marx, il demande une révolte du peuple pour pouvoir reconstituer ce qu'on appelle une société égalitaire et une société équitable. À la fin du prolétaire de toutes les nations, unissez-vous. Et pour finir, Alexis de Tocqueville, lui nous parle de souveraineté majoritaire. Et je crois en démocratie, c'est celle qui est importante pour nous, pour mieux connaître, comprendre la notion de peuple. Il s'agit de représentativité. C'est le peuple qui donne la légitimité aux gouvernants de pouvoir le représenter, d'où les parlementaires et même ceux qui nous dirigent à la tête de nos États. Donc je voulais ajouter ces trois aspects-là. Merci à pour la définition de. Et là, je vous suggère de garder dans le microphone pour que nous entrions dans le vif du sujet. Docteur, comment savoir qu'en face de nous, on a un bon peuple? Le peuple a plusieurs qualités recherchées. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'aspect de résilience. Le peuple doit être assez mature, ça veut dire respecter les institutions, le respect des institutions. C'est d'abord ça l'un des aspects principal du peuple, le respect des institutions. Et en allant plus loin, le peuple là est celui qui ne se fait pas manipuler en dehors ou bien spontanément. Il a parlé de spontanéité. Ça veut dire il a, connaissant sa manière d'agir et connaissant son pouvoir, a les capacités à mettre en mal des gouvernants lorsqu'il est aux abois ou bien lorsqu'il est en situation je peux dire difficile. Donc c'est une possibilité ou bien c'est un élan, un élan dans lequel qui appelle à plus de responsabilités pour moi. Merci Guy Albert Bomba,
Nous sommes en train de disséquer le peuple et comprendre ce peuple, surtout au niveau des qualités et des défauts. Alors, y a-t-il des indicateurs qui démontreraient que ici, nous avons affaire à un bon peuple et là, nous avons affaire à un mauvais peuple? Bon, effectivement, parfait. Il y a des indicateurs. Je vais prendre Blériot et mon compagnoniste à côté ont dit quelque chose de pertinent. Il y a des signes annonciateurs d'un bon peuple. Je vais parler de moi parce que je parle de notre pays. Nous sommes au moins plus de 250 ethnies. Ça fait, et dans cet ensemble-là, on cohabite ensemble depuis des années. Tout à fait. On se crêle, mais on est toujours ensemble. Tu es musulman, je suis chrétien. Quand il y a la fête chez toi, je viens manger chez toi. Quand tu vois le ramadan, tu m'invites, je viens manger. Tu n'as même pas besoin de m'inviter. Habituellement, ce sont les musulmans qui nous invitent. Hein. Bah, nous aussi, on invite, parfait. Vous êtes sûr? Oui, parfait, on invite. Parfois, on invite. Alors, on invite. Je prends le cas du génocide qui s'est passé en 1980, nos frères au Rwanda, Rwanda. Mm-hmm. En 1994. Oui. Ils ne sont que deux ethnies, les Tutsis et les Hutus. Alors, facilement manipulables pour pouvoir pour qu'ils se retrouvent à ce stade de leur histoire. Parce que comme Blériot l'a dit, le peuple, c'est une communauté avec qui on partage la même histoire, comme le passé, comme le présent et comme un probable avenir. Je crois que c'est si je définis bien ce qu'il a dit. Alors, nous ici, nous sommes plus de 200 ethnies. Je crois que ceux qui manipulent souvent les peuples là ont tenté beaucoup de choses ici. Ça n'a jamais donné. Vouloir mettre les chrétiens musulmans et les chrétiens dans des problèmes, ça n'a jamais donné. Ça, c'est les signes d'un bon peuple. Un peuple qui veut rester uni dans sa diversité, malgré les divergences d'opinion qu'on a. Mais ça, c'est un signe déjà annonciateur de qu'on veut être ensemble. Et puis, parfait, il y a, comment on dit, l'hospitalité. Il y a des peuples qui ne sont pas accueillants. Hein. Ah bon? Oui, il y a des pays qui ne sont pas accueillants. Nos voisins à côté. Allez en Guinée équatoriale. Vous tirez l'oreille d'un Guinéen. Si vous ne dormez pas en cellule, enlevez mon nom. Toi, tu tires d'abord son oreille, pourquoi? Non, j'ai dit ça peut arriver, non. Ce n'est pas arrivé qu'on marche ensemble en route. Je te bouscule. Apparemment, du côté de la Guinée équatoriale, j'ai dit apparemment, je n'ai pas fait un sondage approfondi. Les équato-guinéens ne sont pas très hostiles aux autres. Aux étrangers. Aux étrangers, mais beaucoup plus contre les Camerounais. Non, c'est pas seulement qu'on est Camerounais. Et il paraît que parce que vous, les Camerounais, à plusieurs reprises, vous êtes allés frapper les Équato-Guinéens. Je parle là comme au village. Parfait, j'ai pas envie de... Vous êtes allés tromper les Équato-Guinéens. Non, on n'est pas allés... Parce que vous avez un coefficient intellectuel très élevé. Non, on est élevé parce que papa nous a... Vous êtes même allés jusqu'à aller tromper même le chef de l'État. Papa nous a bien éduqués, papa nous a envoyé dans les bonnes écoles. Ah bon? Dans l'intérieur. Non, ça ne plaît pas aux Équato-Guinéens. Je ne suis pas en train de féliciter ce qu'on dit, mais le problème c'est que nous on a été bien éduqués, papa nous a bien enseigné comment il faut faire les mathématiques, on fait les calculs 1 plus 1 égale 4 par exemple, hein, parfait. Donc c'est ça qu'il s'agit, mais pour vous dire en profondeur que ce n'est pas seulement le problème des Camerounais en Guinée équatoriale, c'est le problème des étrangers. Voilà un peuple qui n'est pas accueillant, qui est aussi le signe d'un mauvais peuple. Ou bon, aller en Afrique du Sud avec la xénophobie et tout ce qui se passe là-bas. Ce ne sont pas des peuples accueillants. Mais nous, ici, je ne pense pas que, ici au Cameroun, parfois tu peux avoir un problème avec un étranger. On te met en cellule. Hein. L'étranger, c'est peut-être il a même tort quelque part. Mais chez les autres, c'est carrément le contraire. Donc, l'accueil, l'hospitalité font partie des signes d'un bon peuple parfois. Merci. On va passer la parole à Adrien. Adrien, un peuple qui ne respecte pas, par exemple, la réglementation en vigueur, on dira que c'est un signe d'un mauvais peuple. Un peuple qui ne respecte pas la réglementation en vigueur, automatiquement, c'est un mauvais peuple. Soyons des cartésiens. Ne nous compliquons pas la vie. On se base sur des choses réelles.
Maintenant, moi, je vais d'abord évoquer un côté beaucoup plus philosophique. Allons-y. Un peuple a connaissance de sa situation s'il n'est pas plongé dans une illusion. Donc, il faudrait d'abord qu'on se pose la question fondamentale de savoir est-ce que la population camerounaise n'est pas plongée dans une illusion. Si vous êtes plongé dans une illusion, est-ce que vos convictions que effectivement vous êtes dans le vivre ensemble, est-ce vos convictions que malgré la divergence du multiculturalisme, on réussit à s'embrasser sans vouloir être tribaliste, je souligne, les Bétis peuvent épouser les Bassa, les Manguissa, peuvent épouser les Bamléké à travers l'ouverture des esprits et des consciences. Là, c'est, on parlait du naturalisme, si c'est la réalité. Mais si vous êtes dans une illusion, déjà, par exemple, vos dirigeants vous ont plongé dans une illusion, l'illusion qui n'est rien d'autre que l'ignorance de la réalité. Ou bien l'ignorance de l'ignorance. Je peux me donner une troisième définition, l'ignorance des préoccupations aux besoins réels. C'est vrai que vous êtes en train de... Ou bien comme vous avez dit que vous partez sur un terrain philosophique, oui. Parce que vous semblez nous embrouiller. Hein. L'illusion de l'illusion, vous savez dit quoi? Je n'ai pas dit l'illusion de l'illusion. J'ai dit que l'illusion, c'est... Vous allez le dire là tout à l'heure. Je n'ai pas dit ça. Dit l'ignorance de l'ignorance. J'ai dit que l'illusion, c'est l'ignorance de l'ignorance. Et j'ai donné une autre définition que l'illusion, c'est l'ignorance de la réalité. Et une troisième définition. Alors, vraiment, les choses que vous dites là, est-ce qu'on se comprend bien? Espace Milieu n'aime pas les choses bizarres. Hein? Ce ne sont pas des choses bizarres. Puisqu'il faut toucher le... Il faut toucher le problème au cœur. Pour pouvoir résoudre les problèmes d'une nation, il faut toucher le poumon central. Parce que si vous êtes dans une illusion, automatiquement, même ce que vous percevez, vous recevez de la société automatiquement, n'est que chimère. Ou manipulation. Si le peuple est dans une tromperie nationale, ça veut dire que automatiquement. C'est quoi une tromperie nationale? Une tromperie nationale, c'est un mouvement. Non? Par exemple, que ceux qui nous dirigent ont un système pour contrôler, par exemple, les esprits des 27 millions de Cameroun, des 27 millions d'habitants. Oui. Ça va au-delà. La politique n'est pas simplement le fait d'aller aux élections présidentielles et vouloir être président. J'espère que tu veux voir tes enfants grandir. c'est bien là. Mon grand frère Béroun Lémec m'a dit de ne pas être un tâche. Ah bon, prends ton destin. Je suis Adrien Bacon. J'assume tous mes propos. Ok. Parce que c'est bien beau, hein. Je ne pense pas avoir offensé qui que ce soit. C'est ce que je perçois dans la société en fait. Il faut bien que quelqu'un le dise. Voilà. Il faut dénoncer les mains. Il faut que quelqu'un le dise. Il faut crever l'abcès. Et vous prenez le courage à deux mois pour crever l'abcès. Si je peux dire moi. Bon. Allons-y. Non, mais, effectivement, j'apprécie. Avec le temps, il va adapter le discours à la communication médiatique. Mais il a fait un travail très profond. En fait, il évoque la notion de la conscience collective. C'est ça. Oui. La conscience collective peut être embarqué. Comme ça. À vous pensez tous que ce que vous dites là, c'est ce que vous pensez. Mais l'un des signes que vous êtes dans l'illusion, c'est que vous dites exactement les mêmes choses, comme les gens d'une église. C'est-à-dire, vous répétez, comme tous, on s'aime, il n'y a pas le tribalisme au Cameroun, le football est notre sport préféré. Quand les gens parlent comme ça, vous pouvez déjà savoir que ça, c'est un peu de fou. Les gens sont dogmatiques. Oui, on répète de manière compulsive les mêmes choses. Tout le temps. Le football, c'est notre quoi. Un Ghanois a triché. Donc, chaque fois qu'un phénomène arrive, le peuple se dirige comme des moutons vers une même direction. Ça veut dire que la conscience collective pose problème. Et vous verrez que dans ce peuple-là, ceux qui se distinguent, dès que vous commencez à tenir un discours autre, les gens vous regardent comme si vous étiez égaré, parce qu'ils ne s'attendent pas à la contradiction. Merci. Hein. Lisons encore quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs. Parfait, je demande à Blériot de répondre ici que si Cabral est président et le nomme comme SGPR, il va accepter ou pas, comme il n'aime pas son frère Bassa, c'est Jojo depuis Marois. Que je réponde ici et maintenant.
Je suis l'un des premiers promoteurs de Cabral en politique. L'un des premiers, je le revendique. Il venait jusque dans mon domicile. Hein. Donc je l'aime beaucoup. Et il le sait. Mais quand il n'agit pas bien, je le frappe. Peut-être tu ne le sais pas. Quand les petits types qui sont autour de Cabral essaient de me parler, il leur dit vite, non, ne parlez pas à Niemek. Donc ne me voyez pas là comme ça, il faut faire attention. Il y avait quoi avant? On a dit ne plus dire cela. Moi je dis ça. Je dis ça. Il y avait quoi avant? Mais comment? Il faut arrêter vos choses là. On savait que le Mincombe, lui, il est doux, il n'est pas comme l'autre là. Maintenant lui aussi, il y a des trucs. Non, faut arrêter ça. Lisons d'autres messages, s'il vous plaît. Bonjour, parfait. Et à vos invités, que Blériot arrête de stigmatiser les nobles communautés du Nord. Dit que la mendicité est un travail, c'est choquant et un manque de culture. Ces gars ne sont pas des nordistes et qu'ils aillent mener bien ses enquêtes avant de venir calomnier les communautés. Ouais. Qu'il mette son nom. C'est ouais. Yaya Bello de ceci, Dunal, le j'étais dit que c'était un sujet. Non, on savait. En évoquant ça, on savait. Si c'était les Ekang ou les Bassas, tu peux parler personne. On va repartir du côté de la Belgique. C'est le plus 32. Rebonjour, parfait. Le docteur sur le plateau parle comme Meillon. Sauf que quand Meillon passe la cinquième, lui est toujours en première. Je n'ai rien compris à ce qu'il dit. Le peuple camerounais vit comme dans un matrix, dans une matrix. Cette réalité virtuelle, fictive, qui est placé quoi de nous pour afin de nous empêcher de voir la vraie réalité. La seule qualité du peuple camerounais est la soumission. C'est Sombo depuis Bruxelles qui envoie le message. Avez-vous vraiment l'impression que le Cameroun est un peuple aussi soumis comme ça. Certains le disent? Moi j'étais là en 2008, hein. J'étais déjà, j'ai réfléchi. En fait, moi je crois que parfait, il y a quelque chose qui est en train de se produire au Cameroun. Il faut peut-être attirer l'attention du chef de l'État. Beaucoup de ces ministres veulent faire sortir les Camerounais de leur gonds. De jour en jour, même ceux qui étaient les plus diplomatiques sortent des formules. Vous avez lu la formule du ministre de la Communication? Mais c'est terrible quand même. Et en fait, le but visé, c'est d'amener les gens à se révolter. Parce que vous ne pouvez... La seule chose que vous nous avez donnée jusqu'à présent, c'est la parole. Vous avez pris l'argent et tout le reste. Maintenant, vous dites même que quand quelqu'un dit, votre collègue dit, il y avait quoi avant? Vous dites que si quelqu'un dit, il y avait quoi avant? Ce sera pris comme une tentative de ceci, de cela. Ça, c'est le musellement. Bon, ça, c'est avec Aïdjo que vous faisiez ça dans les années, je ne sais pas, 52, combien là. Non, arrêtez quand même ça. Autre message en direct sur ce plateau. Bonjour, parfait. Mes respectueuses salutations à tout ton panel. Je ne sais pas pourquoi on convoque les us et coutumes de nos villages alors qu'on parle de la ville. La mendicité est interdite par la loi. Que l'autorité publique prenne ses responsabilités. La mendicité est un problème d'insalubrité. Que les municipalités en prennent la pleine mesure. La mendicité est un problème de société, que le ministre des Affaires Sociales s'en charge. Je suis entièrement d'accord avec ce monsieur. Ah oui, ben, il est très structuré. C'est très bien écrit. Mais il a raison. La mendicité est interdite par la loi. Il faut que les responsables prennent la responsabilité qu'ils agissent. Voilà. Merci. Hein. Et si l'on continue à mettre des arguments politiciens au centre de nos affaires, on n'est pas prêt de sortir de la gadoue. L'électorat du Nord ne va décrocher parce que nos villes sont arrimées à la modernité. Quand on demande même à l'électorat du Nord, on sait comment on fait pour que vous votiez. Et donc, on peut enlever les mendiants, il n'y aura rien. Le même téléspectateur continue en disant, parfait ici, pour ce qui est du peuple, il faut simplement observer les Camerounais. C'est qu'ils ne sont pas, c'est précisément ça, un peuple. Son monsieur sort. Il est costaud. D'ailleurs, nos grands comiques eux-mêmes les dénigrent tous les temps par les populations. Et mon avis au sujet du panel de ce jour est que Blériot a été dilué dans le récital juvénile des leçons de ses co-débattants. Rehausser le niveau comme d'habitude. Excellente journée à tous. On s'est compris. Ça va aller. Toi aussi. Toi aussi. Je ne suis pas d'accord. Ne dis pas les choses comme ça. Bonjour Perfecto, le pape hors liturgie de la modération. On
parole sur Gilles. Non, on donne la parole sur Gilles. Non. Il a appelé l'utilisateur. Par rapport au sujet du jour, je voudrais dire que ce qui distingue un peuple des autres, c'est leur culture. Mais le grand frère Blériot avait parlé un jour de la conscience politique des peuples élevés qui est en réalité toujours initiée par leurs leaders historiques qui ont toujours reçu impulser autour des siens cette manière de penser. Regardez tous les pays du monde. Leurs populations sont toujours, d'une manière ou d'une autre, le reflet de l'idéologie de leur figure historique. Bonne journée à vous et bonne semaine. Docteur Ariel Meunier, je vous repasse la parole pour que nous continuions dans le débat. Ma question est celle de savoir, de manière régulière, nous, le peuple, nous sommes toujours en train de fustiger nos dirigeants, toujours en train de critiquer nos dirigeants. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Entre-temps, est-ce que le peuple également n'a pas un certain nombre de devoirs? Si, le peuple a des devoirs, mais cependant, le peuple est plus dans une posture de réclamation, parce que le peuple se dit qu'il a eu à remettre toute son autorité, toute sa légitimité, tout son pouvoir entre les mains d'une certaine classe. Et cette classe-là même qui est chargée de veiller et de garantir son épanouissement et son bien-être. Du moment où il y a donc déjà un malaise social, où le peuple ne réussit plus à avoir ne serait-ce que des besoins minimales ou des besoins minimaliste, alors là, le peuple peut se poser certaines interrogations. Et aussi, lorsque le peuple, nous arrivons dans des situations selon lesquelles le peuple se fait narguer aux yeux de tous, sans plus que ce peuple soit respecté, alors là, nous allons nous trouver dans des situations de conflit. Ce qu'on appelle notamment en sociologie les antagonismes de frustration, lorsque le peuple est frustré. C'est ça qui est souvent à la cause des soulèvements d'humeur. Nous avons eu par exemple la crise de... c'était 2008. On a parlé de la crise de la faim. Les émeutes de la faim. Voilà. Et dans d'autres pays, lorsque le peuple n'a pas des besoins vitaux basiques tels que de l'eau, de l'électricité, des besoins élémentaires tels que les soins de santé, c'est vraiment très compliqué. Mais là, on appelle toujours le peuple à la résilience. Faire monter de résilience. Non, mais à un moment donné, cette résilience. Vous avez dit que c'était une qualité. C'est résilience. On parle bien des qualités d'un peuple. Mais du moment où tout ce que le peuple aimerait avoir, même de manière basique, le peuple ne réussit plus à l'avoir, vous attendez à quoi? À un soulèvement. À une résilience. À une rébellion même. À une résilience. Non, nous ne sommes plus au niveau de la résilience. Là. Vous avez dit que parlant des qualités d'un peuple, non, la résilience, il y a la résilience. Vous dites quoi? Ça veut dire ceci. Le peuple peut supporter, mais à un niveau, le peuple ne pourra plus. Vous comprenez? Vous vous levez un matin parfois ici. On vous dit que soudainement, on a peut-être augmenté une somme là. Le prix du sac de riz encore, peut-être de 10% encore. Vous croyez que vous allez prendre ça de quelle manière? Est-ce que parce qu'on va... Vous allez vous énerver, on va toujours vous allez dire, on va alors faire comment? Non. Le fait de toujours dire qu'on va faire comment ne guérit pas ou n'apporte pas de solution. Il faut m'en faire le peuple, à un moment, doit prendre ses responsabilités en main. Qu'est-ce que vous appelez prendre les responsabilités? À un moment, c'est de savoir dire non. Oui, bon, vous dites non, comme on peut dire non sur un plateau de télévision. Et avec quel mouvement, par exemple? Vous continuez. D'accord. On va passer la parole à Pierre Blériot. Hein. Pierre Blériot, nous attaquons là des problèmes un peu plus délicats. Au Cameroun, de plus en plus, ils sont nombreux, qui dissertent sur la question. Un peuple qui se soulève, est-il normal? Vous savez, même comment vous appelez là, les fronts de haut, troncs de calibre. Vous ne pouvez pas tendre indéfiniment un front. Qu'est-ce qui va se produire? Ça va se couper. Bien sûr. La résilience, c'est la capacité à s'adapter à un environnement. Mais l'être humain a une capacité qui est limitée à l'adaptation aux environnements. Par exemple, nous ne sommes pas des animaux aquatiques. Ça veut dire que si tu plonges un homme dans l'eau, il peut résister pendant un certain temps. Mais, vous voyez, si tu maintiens sa tête trop longtemps dans l'eau, de deux choses, lui, soit il va mourir, soit il va se révolter pour sortir la tête de l'eau.
Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Or, celui qui tient votre tête, on faisait souvent ce jeu-là en piscine. Vous dites à quelqu'un, maintiens-moi la tête dans l'eau pour que je vois ma capacité à rester dans l'eau pendant un certain temps. Mais quand vous lui faites, s'il doit laisser votre tête remonter, s'il est dehors méchant, il maintient votre tête. Et qu'il n'est pas sérieux. Et qu'est-ce que vous vous faites? Vous vous débattez. Et vous faites feu de tout bois. C'est-à-dire, vous cherchez ses pieds, parce que ses pieds ne sont pas... Et si vous pouvez, vous le renversez. Et en le renversant, il peut couler la tête au fond de la piscine et lui, il n'arrive plus à s'en sortir. Voilà l'image d'un peuple dont on a longtemps maintenu la tête dans l'eau. Il suffoque et il dit non, laissez-nous respirer un peu. Laissez-nous respirer un peu. Et ce qui se produit, et j'attire l'attention de beaucoup, ces derniers temps, c'est comme si les gens se passent le message. Quand l'un a appuyé, au lieu de nous laisser le temps de digérer, un autre appuie encore plus fort de l'autre côté. C'est comme s'il y a une combinaison. Ils ont attendu que ça arrive de manière naturelle, ça n'arrive pas. C'est comme s'ils s'entendent à le faire au même moment. Très bien. Un se lève, il dit avec quoi avant. Pendant qu'on veut même se plaindre simplement verbalement, un autre dit que si vous dites même encore qu'il y avait quoi avant, c'est ça qui sera un délit. C'est-à-dire que si vous dites ce que quelqu'un d'autre a dit, c'est-à-dire par on veut honorer un ministre quand même, qui a sorti une formule qui est devenue planétaire, son collègue nous dit que si vous honorez ma collègue, vous serez arrêté. Donc, et un autre encore sort et dit que bon, désormais même si un parti n'aime, je peux appeler le père fondateur et tuer le parti, ainsi de suite. Donc c'est beaucoup pour un peuple. Guy Albert Obomba, certains dirigeants, au regard des actes qu'ils posent, ce sont des actes de nature qui peuvent pousser un peuple à la révolte. Parfait. Il y a une vidéo virale. Oui. Qui est, je crois que beaucoup l'ont vu, de voir un soldat américain qui s'est fait immoler, qui a pris le carburant. Se verser dessus et se fait cramer lui-même. Pour arriver, je crois qu'on n'est pas loin de cette image-là, de cette vidéo-là dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses, parfois certains gens disent vaguer du côté du chef de l'État, mais j'ai l'impression qu'ils vaguent à sens au contraire. Je crois que Blériot a dit quelque chose de très pertinent. Moi, je suis offusqué parce que je suis journaliste. Le chef de l'État est celui-là qui a l'habitude de toujours lancer des petits mots. On se souvient, quand on a gagné la CAN 2017, il avait dit « nous sommes dans la sauce ». C'était nous avons mis dans la sauce. Une expression vraiment... Qui était la populaire, voilà. Cette fois-ci, nous, on est revenu avec le continent. Il a dit dernièrement que nous sommes le continent. Alors... D'où le grand chef, il montre l'exemple. Il rit avec tout le monde. Parce que il s'arrime au temps. Tout à fait. Il s'adapte au temps. Lui qui est un ancien colon, qui s'adapte au temps. Mais c'est sous-fifre. En français, les sous-fifres. Veulent nous cogner de ne plus parler de ça. Est-ce que c'est sérieux? Moi déjà, le dernier gouvernement... Le Cameroun, le président Paul Biya qui a donné la liberté d'expression aux Camerounais, cette liberté d'expression est en train d'être retirée par certains ministres. Exactement. Moi, quand on nommait le récent gouvernement, quand on a nommé notre ministre actuel, ministre de la communication, j'ai compris le message. Taisez-vous, bavardez beaucoup. Parce qu'un diplomate, les diplomates ne parlent pas. Déjà, même les conférences de presse qu'on faisait avec notre ancien ministre Tiruma, il n'y a pas ce genre, il n'y a plus ça. Maintenant, c'est que... Donc, il y avait quelque chose avant? Non, il y avait avant. Ça, il y avait avant. Parfait. Oui, il y avait avant. Avant, il y avait. Au ministère de la communication, il y avait quoi? Il y avait avant. Il y avait Tiruma avant. Oui. Parce que si vous dites avec Tiruma avant. Avant, c'était qu'on discutait avec le ministre, on posait les questions. Maintenant, on ne posait plus les questions. Maintenant, c'est que je vous dis ce que vous voulez entendre, vous partez faire ce que je vous demande de faire, point barre. Il n'y a pas de causerie. Merci beaucoup. Adrien,
les qualités d'un bon peuple. Quand vous prenez le cas du Cameroun, si on vous posait la question de savoir le peuple camerounais est-il un bon ou un mauvais peuple, que diriez-vous? Si la question m'est posée de savoir que le Cameroun est un bon peuple ou un mauvais peuple, je vais répondre par l'affirmative et par la négative. Ça veut dire quoi? Parce que d'une part, les Camerounais mettent en évidence un certain vivre ensemble. Et malgré les divergences du multiculturalisme et le fait que nous serons dans une république polysegmentaire, les gens réussissent à s'embrasser malgré tout. Donc, ça embrasse même à la bouche. Hein? Ça embrasse même à la bouche, malgré tout. Maintenant, j'ai évoqué au préalable le contexte de l'illusion. S'il s'avère donc que nous sommes dans une illusion. Mais tu y tiens hein, avec cette affaire. Non, j'y tiens parce que ça peut être réel. Qu'est-ce que tu m'aimes dans l'illusion? Nous pouvons être plongés tous dans une illusion que automatiquement tout va bien. Pourtant, c'est pour ça que je me permets de dire que tout ne va pas bien. Pourtant, tout ne va pas bien. Mais tout n'est pas aussi noir. Je sais. Voilà. C'est pour ça qu'il y a le yin et le yang dans le blanc. Il y a le... Voilà. Maintenant, pour revenir à quelque chose que vous aviez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a la liberté d'expression. Je suis totalement d'accord avec vous, Monsieur Parfait, ici et toi. Mais dans ce pays, il n'y a pas la liberté après l'expression. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. En fait, tu es même venu comment ce matin. Tu es un peu jeune, hein? Je suis dans mon rôle. Je suis observateur politique. Je suis dans mon rôle. Vous pouvez m'en vouloir de jouer ma partition. Il y a la liberté d'expression. Mais il n'y a pas la liberté après l'expression. Donc, elle n'est pas garantie. Après, dans votre façon, vous pouvez dire ce que vous dites, ce que vous voulez. Vous êtes libre, mais c'est après avoir dit cela. Vous n'êtes pas sûr d'avoir la garantie, il faudrait assumer les conséquences. Merci. Hein. Autre préoccupation, bonjour à vous, félicitations à Blériot et à Parfait. Autre préoccupation ce matin, bonjour Parfait ici. J'ai été génialement bien habillé hier à Libre Expression. Félicitations. Merci. Bonjour Monsieur Parfait ici ainsi qu'à votre panel. Relativement à la thématique objet de la présente discussion, il me semble pertinent de poser d'emblée la question de savoir si au Cameroun on peut véritablement parler de peuple ou de population. Je partage intrinsèquement la marge analytique de l'un de vos panélistes, surtout lorsqu'il parle d'une illusion. La notion de peuple ne saurait s'entendre comme étant une entité amorphe. Ah, dans tous les cas, il y avait d'abord beaucoup avant. C'est Emmanuel depuis Douala. Emmanuel, on non, a bon, dit il faut peut-être qu'on lise. Papa, ouais. Fait ici. Oui. Le ministre de la Communication met les Camerounais en garde contre la formule, contre l'utilisation de la formule « il y avait quoi avant ?» L'utilisation de cette formule sera considérée comme l'hostilité à la patrie et insulte à corps constitué, doublée de propagande, propagation de fausses nouvelles. Donc, vous qui utilisez à tort et à travers l'expression « il y avait quoi avant ?» J'ai dit, hein, quand on dit moi, je pense seulement « propagation de fausses nouvelles ». Propagation de fausses nouvelles, en français facile, c'est quoi? Non, il faut d'abord dire que si ce texte est vrai, qu'il viendrait du ministre René Sadi, ce n'est pas le ministre René Sadi qui fixe la législation. Ce n'est pas lui qui fixe les lois, qui dit ce qui est un crime, ce qui est un délit. La loi existe déjà. Les magistrats sont là pour interpréter les lois. Si quelqu'un dit qu'il y avait quoi avant, un ministre de la Communication ne va pas venir. C'est un ancien minate. Oui. C'est ça que je dis, l'intadon. Ils ont fait mon problème. J'ai pris un aspect simple. Propagation de fausses nouvelles. Quelqu'un a dit. Il y avait quoi avant? Et parfois, ici, je me dis que tel a dit qu'il y avait quoi avant. Donc, j'ai fait montre de propagande. Mais moi, c'est moi, puisqu'on dit l'intention. Laquelle? Donc, le fait d'utiliser, non. Parce que je me dis, le ministre, dans son esprit, il est en train de contextualiser cela. Oui. Parce que la plupart des Camerounais prennent ça dans un autre sens. Quel sens? Le propos du ministre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains l'utilisent comme si elle avait eu à poser un acte... De discrimination ou bien de faire comprendre qu'avant le chef de l'État actuel, il n'y avait rien.
C'est lui qui lit. Donc c'est, il est bien chargé des intentions. En disant que déjà, on ne regarde pas le contexte même où le ministre, le ministre de l'Habitat parlait. Oui. Mais on s'attend seulement de il y avait quoi. Qu'est-ce qu'elle a dit avant? Qu'est-ce qu'elle a dit après? Non, en fait, quand Paul Biya a dit on les a mis dans la sauce, est-ce que Paul Biya s'est rappelé du premier à dire qu'on les a mis dans la sauce? C'était une affaire. Une expression est jetée dans la place publique. Elle n'appartient même plus à son auteur. Elle devient une expression un peu folklorique. Voilà. Chacun. Donc, il n'y a pas de préparation de fausse. Il n'y en a pas. Préparation de fausse, c'est que j'ai menti, non? Voilà. Moi, pas en français facile. Ah, non. C'est pas ça, docteur. Il y a aussi l'hostilité à la partie. Non, c'est quoi? Vraiment, c'est je viens dire que tel a dit qu'il y avait quoi avant. On dit que c'est hostilité. Insulté à corps constitué. J'ai insulté quelqu'un. Non. Retirer ce genre de poste là, c'est ce genre de sont liberticides. On ne peut pas permettre que le Cameroun rentre dans cela. Merci beaucoup. Lorsque nous avons dit cela, tout en se rassurant qu'il y avait quelque chose avant, voilà. Je vais donc dire merci à Guy Albert Bomba qui était là ce matin. Merci également à notre petit frère qui est venu ce matin, c'est Adrien Bacon, qui justement est observateur de la scène politique au Cameroun. Merci à Pierre Blériot, merci au docteur Ariel Meunier. Le journal de la mi-journée intervient dans pratiquement 7 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faire?